pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee. Alors écoutez, moi je suis très, très étonné de ces nouvelles, par exemple sur LCI, qui nous disent que, bon, bien entendu, les Ukrainiens sont en Russie, mais que les Russes avancent tellement, tellement au Donbass qu'il y a un vrai problème. Alors, je suis très étonné parce que LCI, c'était vraiment, vraiment le porte-parole de l'OTAN. Et là, d'un seul coup, LCI bascule. C'est un énorme pari, en fait, que réalise l'armée ukrainienne que d'investir Koursk. Pourquoi et pour combien de temps, en fait, en réalité ? Ben, c'est ça, et c'est ce que les gens ici, en fait, même les militaires, hein, ils se posent la question, parce que autant Pokrovsk, c'est une ville stratégique, une fois qu'ils auront Pokrovsk, les Russes vont avancer très très vite. Donc Pokrovsk, c'est un nœud stratégique. Autant Soudia, la ville de Soudia, qui est contrôlée par les Ukrainiens, n'a aucun intérêt stratégique. Et c'est ce que les Ukrainiens ici nous disent. C'est pour ça qu'ils ont eu tant de facilité à progresser et qu'ils continuent à progresser vers Koursk, parce qu'en fait, ben, les Russes s'en moquent un peu de la ville de Soudia et de ses alentours. Ils savent qu'à tout moment, ils pourront la reprendre. Il suffira effectivement de ramener les troupes qui sont à Pokrovsk vers l'oblast de Koursk pour régler la situation. Il y a même une date hein, ici qui circule. Il se dit ici que ça se ferait en octobre, le temps que les Russes s'installent vraiment et aient vraiment progressé dans le Donbass. Donc en fait, oui, c'est vrai qu'une victoire là-bas, mais pourquoi faire ? Alors peut-être, effectivement, on l'a dit, pour avoir une monnaie d'échange lors de négociations, de dire vous vous retirez de nos territoires et on vous rend ces territoires-là. Peut-être aussi pour montrer hein, que l'Ukraine est encore capable d'avoir des gros succès, parce que depuis quelques temps ça peinait un peu là hein, avec le Donbass où les Russes grignotaient. Maintenant c'est plus du grignotage, maintenant carrément là ils avancent très vite, mais pendant des mois ça a été du grignotage. Mais bon, les Ukrainiens ne remportaient plus de grosses victoires, c'est aussi se prouver ça, et ça remontait le moral des soldats, c'est déjà en ça au moins une victoire. Mais bon, après, sur les vrais objectifs, on n'a pas d'informations, ni les soldats d'ailleurs, ils nous le disent aussi, ils nous disent on ne sait même pas combien de temps les gars vont pouvoir tenir à Koursk. Ce ne sont plus seulement les discours à la gloriole des combattants ukrainiens qui se battent bien, mais c'est également une vue sur le Donbass et sur l'avancée russe partout sur la ligne de front à l'intérieur de l'Ukraine. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que, finalement, comme l'Allemagne, d'ailleurs, qui a réduit ses budgets, est-ce que, finalement, l'OTAN en a un peu assez de cette guerre en Ukraine ? Eh bien, moi, je l'espère, mais bon, je ne sais pas, mais c'est quelque chose qu'il fallait que je vous dise. Parce que, à mon avis, tout de même, d'ailleurs partout dans la presse, pas seulement sur LCI, dans le Figaro, etc., dans toute la... et dans le monde, il y a un revirement et il n'y a plus du noir et blanc, mais beaucoup de gris. Et ça, c'est pas mal. Bon, la revue de presse. Cela faisait 13 ans que Vladimir Poutine ne s'était pas rendu en Tchétchénie, et c'est désormais chose faite depuis hier soir. Il est reçu à Grozny par Ramzan Kadyrov, qui parle, je cite, d'un très grand bonheur. On écoute. C'est une chose de tirer au stand de tir ici, et c'en est une autre de mettre sa vie et sa santé en danger. Mais vous avez en vous l'exigence intérieure de vous battre pour la patrie et le courage de prendre une telle décision. Ici on dit percée, hein, donc j'utilise les termes journalistiques français. Donc il y a eu cette fameuse percée d'Ukrainiens à Koursk. Qu'est-ce qu'il en est exactement ? Parce que malheureusement, moi je n'ai qu'un son de cloche français. Donc c'est pour ça qu'on voulait que vous soyez ici présent, parce que vous savez ce qui s'y passe. Alors quelle est la réalité ? La réalité, effectivement, c'est que le 6 août,
donc dernier, il y a à peu près 15 jours, des milliers de soldats ukrainiens ont réussi à passer la frontière et à arriver du côté donc russe. Il faut avouer quand même qu'ils ont réussi, à, dans une certaine discrétion, à assembler un certain nombre de soldats sans que les services de renseignement russes soient au courant. Bon, ils avaient un objectif qui était d'atteindre la centrale nucléaire de Koursk, plutôt qui est située à 40 km à l'ouest de Koursk. Ils ne l'ont pas atteint. Ça, je pense que c'était le premier objectif. Le deuxième objectif, à mon sens, c'était d'essayer de créer, d'ouvrir un nouveau front de façon à ce que les Russes envoient des renforts et des militaires qui se trouvent actuellement sur la ligne de front pour aller défendre l'oblast de Koursk. Avec comme idée principale d'essayer de desserrer un petit peu la pression, puisque depuis des mois, la ligne de front craque un peu de tous les côtés. Et donc, je pense que l'état-major américain, parce que on est bien d'accord que ce ne sont pas les Ukrainiens qui décident de la stratégie, a dû lancer cette opération en se disant, un, si on récupère la centrale nucléaire de Koursk, on va pouvoir derrière mener un chantage et des meilleures négociations à venir, puisque de toute façon l'OTAN a pris acte du fait que l'Ukraine avait perdu la guerre et donc des négociations, en tout cas je pense qu'ils espèrent que des négociations auront lieu, mais ça on pourra en parler, je pense que côté russe on n'en veut pas, ou en tout cas on n'en veut plus. Et que le deuxième point c'était d'essayer justement d'affaiblir un petit peu ou de faire diminuer la pression militaire russe sur la ligne de front. Ça, ce deuxième objectif a aussi totalement échoué, puisqu'on les Russes ayant une large supériorité en artillerie, en aviation, etc., ont pu contenir l'invasion ukrainienne sans avoir à dégarnir la ligne. Et d'ailleurs, on voit bien aujourd'hui sur la carte que pas plus tard que je crois que c'était hier, un nouveau village est tombé dans la République de Donetsk. Sur la rivière Oxol, ça perce aussi. Les Russes sont en train de percer. Et dans le sud de la ligne de front du côté d'Ougledar. Donc, en fait, c'est un échec. Simplement, il est vrai qu'aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 Ukrainiens qui se trouvent du côté russe. Il y a eu une percée ukrainienne incontestable qui est un succès au plan tactique. Bien sûr, c'était inattendu. Je ne pense pas que les Russes l'aient fait exprès. Je ne pense pas. Je pense plutôt que l'Ukraine, qui parlait beaucoup de pourparlers, etc., a peut-être fait de Maskirovka version ukrainienne. Mais en tout cas, la stratégie du commandement russe, elle est claire, elle est évidente. C'est d'empêcher désormais l'ennemi de pénétrer plus à l'intérieur du pays et d'élargir son emprise, si vous voulez, considérablement. Parce que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose quand même. Voilà, c'est comme ça. Il y a quelques photos qui sont prises avec des soldats ukrainiens tout sourire, tout content. Mais enfin, c'est une petite tête de pont et il faudrait l'élargir au sens, voilà, en largeur, si vous voulez, pour que ça ait du sens véritablement militairement et surtout le tenir. Donc ça, c'est un sujet qui pour l'instant est compliqué encore pour les forces ukrainiennes. Les Russes détruisent, ils détruisent des batteries d'HIMARS, ils détruisent tout ce qu'ils peuvent, des Patriotes, ils détruisent beaucoup, beaucoup de véhicules blindés ukrainiens. Ils compliquent la logistique là où les forces armées ukrainiennes, évidemment, tentent de se retrancher sur leurs quelques prises. Et tout ça, c'est en cours. Donc, et puis surtout, cette incursion à Koursk, enfin dans l'oblast de Koursk, n'a pas eu l'effet majeur militaire que l'Ukraine, que les forces ukrainiennes souhaitaient, que le commandant en chef Syrsky souhaitait, c'est-à-dire dégarnir les forces russes du Donbass, où les positions ukrainiennes sont vraiment désormais quasi désespérées. En tout cas, d'après tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut comprendre et tout ce qui ne vous est évidemment pas dit, mais enfin, il y a quand même des analystes sérieux qui le disent. Donc, il n'y a pas d'affaiblissement à grande échelle de l'offensive russe dans le Donbass. Au contraire,
au contraire, cet axe central, si vous voulez, du groupe de force centre de l'armée russe, se poursuit et pas du tout à l'avantage des forces ukrainiennes. Donc, en plus, cette attaque donc vers Koursk n'a été rendue possible que par le retrait des troupes de la ligne de front orientale, donc de la ligne de l'Est, si vous voulez, du Donbass. Et puis, bon, l'approvisionnement en artillerie s'est raréfié. Les soldats, bien sûr, ont été encouragés par l'incursion en Russie, mais ils déclarent quand même, il y a beaucoup de soldats ukrainiens qui disent que cette incursion a nécessité des armes et des munitions dont eux ont déjà cruellement besoin et manquent cruellement. Il y a même un commandant qui était stationné sur un point chaud du front oriental qui a déclaré que sa brigade disposait de moins de 4 mortiers pour défendre sa position et qu'elle pouvait tirer que 10 obus par jour et par mortier. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est dérisoire. Donc l'Ukraine perd chaque jour un peu plus de terrain à l'est. Et entre-temps, son incursion à Koursk a atteint déjà son point culminant. Et maintenant, il faut lutter pour conserver le terrain qui est conquis, qui a été conquis. Et ça, ça s'annonce difficile, voire extrêmement mortel. En plus, elle a fait venir pour tout ça, non seulement des munitions, des armes, mais des actifs de grande valeur pour empêcher les réserves russes d'atteindre la zone. Tout ça, ça ne peut pas durer. En fait, si vous voulez, c'est bien cette incursion, c'est ce que j'ai dit déjà la semaine dernière, mais il faut pouvoir tenir, donc il faut pouvoir avoir beaucoup de réserves. Donc que se passe-t-il pour l'instant? Les forces russes ont libéré ce qu'on appelle, qui est une zone qui s'appelle New York, elles continuent d'avancer vers Toretsk, donc dans le Donbass, hein, et elles ont considérablement progressé dans la région de Pokrovsk-Selidovo. Et ça, ce sont des gros nœuds logistiques pour l'Ukraine. Et alors que, pendant ce temps, bah, au lieu de se battre sur ce front-là qui est central et qui est dominant et qui est le plus lourd, et celui où les forces ukrainiennes sont déjà en difficulté, elles sont obligées de divertir leurs ressources pour tenir à Koursk ce qu'elles ont réussi à prendre, parce que ça a une valeur symbolique, une valeur politique, une valeur médiatique, importante, beaucoup plus que militaire en fait. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reconnaît l'avancée des forces russes et souligne l'importance pour les alliés de l'Ukraine de respecter leurs engagements de livraison de munitions. Дуже важливо, щоб партнери реально виконували зобов'язання по кожному пакету, по всім нашим домовленостям. Це фундаментально для оборони. Les tirs russes qui ont touché 24 localités de la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont fait une victime et 16 blessés, selon les autorités. À Pokrovsk, les forces ukrainiennes continuent de défendre la ville contre les troupes russes qui avancent rapidement vers le centre logistique. La ville de Pokrovsk est l'un des principaux bastions défensifs de l'Ukraine, crucial pour le contrôle de la région de Donetsk. Le président ukrainien espère également voir progresser le plan qui vise à prêter à l'Ukraine 50 milliards de dollars d'avoirs russes gelés. Au début de l'année, les 27 États membres de l'UE ont accepté d'utiliser les intérêts générés par les avoirs de la Banque centrale russe pour aider l'Ukraine. Premièrement, je pense que les Russes avaient quand même vu une concentration de forces dans le secteur. Maintenant, comme toujours, les Russes se disaient... Et je pense que c'est leur gros problème. Les Ukrainiens ne vont jamais faire ça. C'est-à-dire que les Russes eux-mêmes s'étaient mis dans une position que les Ukrainiens vont que combattre pour libérer leur territoire national, mais qu'ils n'iraient jamais aussi loin que d'attaquer le territoire russe. Donc, ils se sont déjà ancrés psychologiquement sur une posture, une certaine posture, disons. Maintenant, j'en avais parlé fin juin, je pensais vraiment, et c'est ce que les chaînes Telegram russes aussi rediffusaient, que les Ukrainiens allaient lancer une contre-offensive, mais sur Kharkiv, c'est-à-dire pour repousser les troupes russes qui s'étaient avancées vers Bovchansk, qui est au nord de Kharkiv. Donc les Russes pensaient que, eh bien c'était ça l'axe d'attaque principal. Et au dernier moment, les Ukrainiens attaquent sur Koursk. Les Russes n'ont rien vu venir. D'ailleurs, s'ils avaient prévu un piège, quoi que ce soit, on ne fait pas ça en mettant des conscrits
soutenue par quelques officiers du FSB en première ligne. On ne va pas mettre des pauvres conscrits de 18-19 ans en chair à pâté comme ça, en première ligne. Je pense que le harcèlement sur ces zones frontalières de la Russie pré-2014, la Russie historique, si vous voulez, va durer. Il y a encore des batailles qui sont à venir, mais ça va dépendre essentiellement du niveau de fureur, de rage et d'engagement des parrains de l'Ukraine. Et là, je parle surtout des Britanniques, parce que je pense que dans cette affaire-là, les Britanniques, qui ont d'ailleurs assumé quasiment publiquement leur soutien à cette offensive, étaient très, très, très près, et très en amont d'ailleurs, de cette percée dans l'oblast de Koursk. Ils l'ont fait savoir d'ailleurs. Le Times de Londres l'affirme, que c'était un plan britannique, que les images de chars Challenger 2, tout ça, ça ne les dérange pas. En fait, ils essaient de pousser le reste des Européens, et même Washington d'une certaine façon, à continuer à s'engager, donc de montrer qu'eux osent lancer ce qu'ils appellent une contre-invasion. C'est peut-être un peu excessif. Très peu de personnes étaient au courant de ce plan. Parce que, on doit être honnête, il y a un nombre d'espions assez important qui travaillent, des informateurs qui travaillent pour les Russes, qui leur donnent des informations. Cette fois-ci, il n'y avait que le président, général Sersky, et quelques officiers de brigade qui étaient au courant. Et ça a marché, puisque les Russes n'ont pas eu vent de cette attaque. D'ailleurs, il y a le commandant de la 80e brigade aéroportée. Il a été démis de ses fonctions parce que il ne pensait pas être capable, il ne pensait pas que sa brigade soit capable d'une mission. Et en fait, on l'a appris une semaine avant l'offensive. Je vais essayer de résumer. Il a dit que sa brigade devait être employée pour une certaine mission dans le Donbass. Il ne spécifie pas où, mais dans le Donbass. Et il ne pensait pas qu'elle tiendrait le coup. Et il a été démis de ses fonctions par le général Sersky. Sersky a dit, c'est pas, il y a rien de mal là-dedans, mais j'ai besoin de gens motivés. Et pour l'exemple, il a été démis de ses fonctions. Cette brigade a été le fer de lance de cette offensive sur Koursk. Donc, il y a quand même eu une sorte de chape de plomb sur cette offensive. Et on ne pouvait pas discuter non plus. Surtout les officiers subalternes ne pouvaient pas discuter de cette stratégie. Bon. C'est important de comprendre que les Anglais veulent avoir et assument un rôle central, en fait, dans cette contre-invasion et, d'une manière générale, dans le soutien à l'Ukraine, depuis Boris Johnson qui avait fait pour capoter les pourparlers quasiment quelques jours après le lancement de l'opération militaire spéciale, les pourparlers de paix. Voilà. Alors, les États-Unis, eux, qui sont en campagne électorale présidentielle, ça ne vous a pas échappé, évidemment, eux, ils affichent au contraire une attitude un peu en arrière de la main, parce que quand même on est arrivé sur le territoire russe historique, donc ça devient un peu dangereux. Ils affirment ne pas avoir été au courant des plans ukrainiens, de leurs objectifs, etc., etc. Donc est-ce qu'il y a une pression de Londres sur Washington? Est-ce que Washington en a assez? De toute façon, c'est une guerre par procuration et l'Ukraine est le proxy de Washington et de Londres, bien sûr, mais surtout de Washington. Mais maintenant, jusqu'à quel point les Américains sont-ils mécontents de ces incursions de Koursk? Il se dit qu'il y avait des négociations de paix entre Russes et Ukrainiens. Bon, je vais vous dire ce que j'en pense. Je n'y crois pas, moi, personnellement. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de pression, et aussi en Europe, notamment en Allemagne, pour justifier la fin de l'aide allemande. On reparle pas mal des missiles Taurus, vous savez, qui ont une portée de 250 km, similaire à peu près à celle du Storm Shadow, avec une ogive plus puissante. Et il y a beaucoup de pression sur l'Allemagne pour qu'elle les donne enfin aux Ukrainiens et qu'elle les autorise à s'en servir. Cependant, en fait, l'Allemagne a gelé pour l'instant l'aide militaire à l'Ukraine. Alors, elle invoque une crise budgétaire intérieure. Mais enfin, Pistorius, là, qui avait demandé 3,5 milliards de
de fournitures supplémentaires. Pour l'instant, cette demande a été rejetée par le ministère des Finances allemand. En termes techniques, les Ukrainiens aussi ont pu garder, selon moi, hein, Hervé, tu me corriges, une sorte de maskirovka, puisqu'ils ont employé leurs forces au fur et à mesure. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile de cacher quelques bataillons qu'on envoie comme ça, tac, 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 1, 2, 3, 4. Et au fur et à mesure, il y avait de plus en plus de troupes. Mais l'aspect le plus important, selon moi, c'est qu'il y a une énorme forêt à côté de Soumy. Dans cette forêt, on peut camoufler des dizaines de milliers d'hommes et d'équipements sans que l'ennemi ne le voie, et surtout en été, avec tout le feuillage, toute la verdure. Même avec des drones, on ne pourrait pas voir le nombre réel de troupes dans cette zone. Et ça a été la zone de concentration des troupes ukrainiennes et ils ont percé le front. Il y a un moment où on a besoin de succès pour justifier tout cet argent et la poursuite. La poursuite des dons ou des prêts ou en tout cas d'un argent qui est quand même celui des contribuables à un moment donné que l'on envoie en soutien à ce pays. Mais pourquoi donc à la fin et pour quel résultat? Donc ça, c'est vraiment une dynamique qui est très lourde pour les Ukrainiens et qui les pousse aussi à faire un certain nombre de choses parfois un peu désespérées ou un peu folles. Et qui est très lourde aussi pour les donneurs d'ordre à l'Ukraine, bien sûr, et qui sont nos gouvernements, tout simplement. Je ne parle pas que de la France, mais bien sûr les gouvernements occidentaux. Donc les Russes se sont dit, c'est comme d'habitude, on va gérer ça avec Akhmat, ainsi de suite. Seulement après, les Ukrainiens ont envoyé, donc derrière les premières incursions, ils ont envoyé leur détachement de reconnaissance dans la profondeur. C'est la même manœuvre qu'à Kharkiv, hein, que sur la zone de Kharkiv. Et derrière, par contre, il y a des moyens blindés lourds qui sont arrivés. Donc là, on a changé de dimension. Et là, les Russes se sont dit, il y a quelque chose qui se passe. Mais on est face en Russie à des gens, ce sont des animaux à sang-froid, et notamment au niveau politique. Et je pense que rapidement, ils ont fait le raisonnement selon lequel cette zone-là, même si symboliquement, elle est gênante pour le Kremlin et qu'elle a mis en difficulté d'une certaine manière, les affirmations du président Poutine sur l'inviolabilité du territoire russe. Pragmatiquement, cette zone, quand on la regarde, la zone où sont infiltrés les Ukrainiens, c'est une zone, il y a des bois, il y a des cours d'eau, il y a très très peu de population, entre 9000 et 10000 habitants, et la plus grosse agglomération dont on parle sans arrêt, Soudja, c'est 5000 habitants. Cette dernière visite en Tchétchénie remonte à 2011. Vladimir Poutine est arrivé mardi soir à Grozny où il a rencontré le dirigeant Ramzan Kadyrov. Une visite aux accents militaires, après avoir rendu hommage au père de l'actuel leader tchétchène, tué dans un attentat en 2004, le président russe a visité une académie pour la formation des forces spéciales. S'en est suivi un tête-à-tête avec son allié Ramzan Kadyrov. Мы 13 лет ждали вас, но и я знаю, что у вас большие вопросы, которые вы ручной режиме управляете, и в том числе и наша республика. Хочу доложиться, что... Des troupes tchétchènes sont engagées dans la guerre en Ukraine, mais également à Koursk, où l'armée de Kiev poursuit son incursion sur le sol russe et affirme contrôler 1250 km² de territoire et 92 localités dans la région. En conséquence, Moscou a dit exclure toute négociation à ce stade avec Kiev. D'abord surprise par cette incursion des troupes ukrainiennes, l'armée russe commence à réagir et poursuit par ailleurs son offensive de l'autre côté de la frontière en Ukraine. Dans la région de Donetsk, les autorités de la ville de Pokrovsk ont décidé d'évacuer les habitants face à l'avancée des soldats russes. Donc, on est vraiment dans une phase où l'Ukraine essaie de changer la donne, pas seulement pour des raisons cosmétiques, pas seulement pour montrer qu'elle est capable de faire quelque chose, mais aussi peut-être pour arriver à renverser la vapeur militaire, ce qu'elle croit toujours pouvoir faire avec l'aide des Occidentaux. Et donc, comment faire? Parce que bon, cette incursion sur le territoire russe, bien sûr, c'est un cas de figure, mais la Russie domine toujours militairement d'une manière assez sensible ce conflit. Bien sûr, pas forcément politiquement, sauf à l'extérieur du camp occidental, mais justement, la question c'est comment faire pour qu'elle perde le soutien du reste du monde, si vous voulez, en quelque sorte.
Donc, il y a une incapacité militaire occidentale à défaire militairement Moscou, mais au lieu de pousser le camp occidental à la paix, à la raison, à l'intelligence de situation, non, ça le pousse au contraire à la fuite en avant, comme je l'explique depuis longtemps, et à prendre des décisions d'escalade, voire de très grandes irresponsabilités. Et vite, de toute façon, les Ukrainiens, plus ils s'enfoncent dans le territoire, plus ils se mettent en difficulté. Pourquoi ? Parce que il y a un problème logistique qui est énorme. Alors, on parle sans arrêt des munitions, ainsi de suite, mais le premier des problèmes logistiques, c'est le ravitaillement en carburant. Et le ravitaillement en carburant, c'est vraiment un ravitaillement qui demande énormément d'organisation et qui est très, très risqué sur le plan du mode opératoire. Ça se fait de nuit, il y a des zones de regroupement, il y a des zones d'attente, il y a les citernes qui arrivent et ce ravitaillement en carburant, il est peut-être moins important pour des moyens légers qui s'infiltrent, mais dès qu'on a des véhicules blindés à roues ou surtout à chenilles, là, il devient très important. Et je pense qu'à un moment donné, les Ukrainiens, parce que là, on parle de territoire contrôlé, non, ce sont des avancées. Ensuite, à un moment donné, ils vont avoir un raisonnement rationnel. Il faut qu'on tienne le territoire de manière à ce que ça soit ennuyeux politiquement, quand même, de manière durable, pour le Kremlin et que ça mobilise quand même un minimum de force côté russe, puisque les Russes ont été obligés quand même de récupérer des forces. Et ce qui est très important de noter, c'est que les Russes qui pouvaient engager des unités de conscrits n'ont pas engagé des unités de conscrits. Pourquoi ? Parce que ça s'inscrit dans la stratégie globale du pouvoir russe qui est de limiter au maximum les effets sociétaux de cette guerre sur la population russe. Ils ont préféré aller chercher des unités qui étaient sur le front à des endroits qui étaient moins actifs que le Donbass, pour les remettre sur cette zone-là. Et ce qui est logique, parce que lorsqu'on a une unité qui est sur le pied de guerre, c'est plus rapide, c'est plus facile de la déplacer que prendre une unité qui est au centre de la Russie ou au sud ou au nord de la Russie, qui n'est pas sur le pied de guerre, la mettre sur le pied de guerre, et surtout si elle n'a aucune expérience du combat. Donc, on voit très bien que pour l'instant, la stratégie globale russe, qui est, je dis bien globale, de limiter l'effet sociétal de la guerre sur la population et sur l'économie, est poursuivie. Alors, sur le plan militaire, leur stratégie, c'est très clairement poursuite de la guerre d'attrition et faire effort sur le Donbass. La ville de Pokrovsk qui est donc menacée par l'armée russe qui a capturé donc ce petit village d'Ivanka, une dizaine de kilomètres de là. Le maire de la ville, extrêmement alarmiste, appelle tous les habitants à évacuer le plus vite possible. Chers habitants de la communauté, nous constatons qu'aujourd'hui l'ennemi s'approche rapidement des environs de la ville de Pokrovsk. Ils sont à un peu plus de 10 km de la périphérie de la ville. S'il vous plaît, ne tardez pas, partez dès que vous le pouvez, préparez vos affaires. La situation ne fait qu'empirer et elle ne s'améliorera pas. Les autorités et les infrastructures essentielles restent en place. J'insiste pour que vous partiez dès que vous le pouvez, à faire vos bagages et à évacuer. Et je pense que les mois prochains seront dangereux, parce que la situation militaire ukrainienne se dégrade, contrairement à ce qui est dit, et qu'il n'est pas impossible que tout s'effondre aussi, et notamment dans le Donbass, sur le flanc oriental, avant l'élection américaine. Et ça, il y a beaucoup de gens à Washington qui ne peuvent même pas l'envisager, qui ne peuvent même pas le supporter. Et il y a bien sûr l'affaire de la responsabilité, parce que c'est quand même l'administration sortante et l'administration Biden qui est responsable de tout ce qui se passe depuis le début de la guerre. Et on sait qu'il n'y a pas non plus qu'un... Dans l'élection américaine qui se joue en ce moment, c'est pas seulement les républicains contre les démocrates, c'est aussi au sein du Parti démocrate un certain nombre, non pas de coteries mais de clans, qui cherchent à renforcer leur position interne et se servent pour ça de la faiblesse de Biden et de la réalité des compétences de Kamala Harris pour pousser leur pion, pousser leur vaisseau, si vous voulez. Donc, que ce soit les Ukrainiens ou les Américains, au niveau des politiciens, ils n'ont pas plus de scrupules les uns que les autres, et ils veulent sauver leur peau économique, financière et même leur réputation.
sur cette idée, mais peut-être on pourrait croire que les Ukrainiens se disent déjà qu'ils vont perdre le Donbass. C'est-à-dire qu'ils sont dans une optique de se dire, bon, on va faire payer les Russes pour le Donbass, mais qu'ils l'ont déjà perdu psychologiquement. C'est possible. Dans l'état-major, peut-être, ils se sont dit, bon, on sait que c'est fini, ouais, mais on va prendre des gages territoriaux, ouais, à gauche, à droite. On va reboucler sur les objectifs. Je pense qu'un des objectifs des Ukrainiens, c'était bien sûr, entre guillemets, de provoquer au plan politique la nécessité pour les Russes soit d'une mobilisation, soit d'engager des conscrits. Et là, il touchait un des centres de gravité russe, qui est l'acceptation sociétale de la guerre. D'un autre côté, un des centres de gravité des Ukrainiens, c'est la volonté de se battre. Elle était un petit peu en baisse. Et donc, il y a une volonté également de montrer que l'armée ukrainienne, qui subit quand même depuis presque 9 mois dans le Donbass, qui subit, il faut le dire, qu'elle était capable de mener une offensive et de redonner, en fait, du cœur à l'ouvrage d'une certaine manière à l'armée ukrainienne et à la population ukrainienne qui elle aussi subit quand même depuis très longtemps. Ce mardi, le Parlement ukrainien a voté l'interdiction des activités des groupes religieux liés à Moscou. En ligne de mire, une paroisse ukrainienne historiquement liée à l'église orthodoxe russe. Ми нікого не забороняли, жодну українську церкву. Ми заборонили зв'язок з російською так званою церквою, з російською армією, з ФСБ і з Путіним. L'église mise en cause se défend de toute accointance avec Moscou. L'Ukrainska pravoslavna cerkva est indépendante et autonome dans son управлінні et ne підкоряється ніяким центрам ні всередині України, тобто якимось іншим центрам, окрім Київської митрополії. L'église orthodoxe d'Ukraine affirme elle aussi que la paroisse incriminée est bien liée à l'église orthodoxe russe, église qui a qualifié l'invasion en Ukraine de guerre sainte. З огляду на те, що патріарх Кирил благословив убивство українців і знищення української державності, взагалі важко уявити, як можна толерувати діяльність цієї організації на території нашої України, яка страждає від цієї війни. Pour que la loi entre en vigueur, Volodymyr Zelensky doit y apposer sa signature, ce que le président ukrainien prévoit de faire rapidement. C'est vrai que d'une certaine manière, les Ukrainiens, soit ils avaient une manœuvre classique et ils pouvaient très bien contre-attaquer ou sur Kharkiv ou sur le Donbass, mais il reste quand même des options éventuelles, mais bon, je ne sais pas quels sont leurs moyens. Mais là, ils ont joué un coup qui aurait pu déstabiliser le pouvoir russe et les forcer justement à engager des unités de conscrits de manière massive avec les pertes consécutives. Donc, oui, c'est ça, parce que parce qu'on en a discuté en privé, mais en gros... si on se met dans l'état-major ukrainien, quelles étaient les options pour changer la balance, pour montrer que l'Ukraine est encore capable de se battre? Bon, il faut une attaque. Une attaque où? Sur la ligne de Zaporijia? Non, ça n'a pas marché la dernière fois, ça ne marchera pas avec moins de moyens. Là, quand essayé, ils ont eu des problèmes, oui, ça c'est vrai. Voilà. Donc, bon, après, ils peuvent contre-attaquer à Pokrovsk. Bon, se jeter dans la gueule du loup, ce serait jeter dans la gueule du loup, il y aurait des pertes énormes et... ça serait aléatoire. Bon. Deuxièmement, Kupiansk, peut-être. Ça aurait été pas si mauvais, mais il y a quand même de fortes réserves russes. Donc, partout, le front est cadenassé. Donc, la seule manière de changer la balance, ça serait d'attaquer ailleurs. Bon. Contre-attaquer sur Kharkiv, ça ne sert à rien, puisque c'est un front secondaire pour les Russes de toute façon. Donc, les Russes s'attendent de toute façon à pouvoir reculer à n'importe quel moment. Et je pense que c'était un peu le plan de bataille des Russes, c'est-à-dire d'attendre que les Ukrainiens contre-attaquent, leur infliger un maximum de pertes sur un territoire assez restreint et de simplement faire une manœuvre rétrograde si nécessaire, d'infliger le plus de pertes. Mais c'est là où d'attaquer sur le territoire russe, ils attaquent une ligne rouge puisque personne ne savait qu'est-ce qui allait se passer si l'Ukraine attaque le territoire russe. On pensait vraiment à une guerre totale, attention. Pas nous, mais je veux dire les gens en général. Mais voilà, donc pour l'instant, il n'y a pas eu de répercussions majeures en Russie. Il n'y a pas eu cette mobilisation, il n'y a pas eu l'utilisation de conscrits. Mais tout dépend du développement du front dans les prochains jours. Parce que, de ce que je vois sur le terrain, après peut-être j'ai tort, mais il y a quand même une situation inconfortable pour les Russes. Les Russes ont tenu les axes principaux,
c'est-à-dire les axes qui mènent vers Koursk ont été assez bloqués, mais les Ukrainiens continuent à faire des progrès, et je pense que les Russes vont être obligés de réagir à un moment. Il y a les ponts au sud de la rivière Sem qui se font exploser. Les Russes vont devoir reculer de cette zone à un moment donné, mais il y a des petites villes qui risquent de tomber. Ça va être compliqué. Donc, après, on connaît les Russes. Je vais juste dire, après, on connaît les Russes. Napoléon est au temps pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes ont un territoire énorme et ça ne les dérange pas du tout de laisser du territoire national. Et la Russie a créé trois groupes de troupes dans ses régions frontalières, baptisées des mêmes noms que les régions de Belgorod, Briansk et Koursk, alors que l'Ukraine poursuit son offensive. Depuis son incursion le 6 août, l'armée ukrainienne s'est emparée de plus de 1200 km² de territoire russe et a pris le contrôle de 92 localités. Le ministère russe de la Défense affirme avoir mis fin aux attaques ukrainiennes sur 4 localités au cours des dernières 24 heures. Je voulais dire un mot, dire un mot sur la réaction russe. Moi, bon, j'étais un peu aux nouvelles. Ça produit l'effet inverse, c'est-à-dire, et ça, ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire que, est-ce que ça peut déstabiliser le pouvoir russe? Ça, l'Occident en rêve depuis 3 ans, depuis même, je dirais, 2014. Hein, les sanctions, on va les mettre à genoux, il a 25 cancers et tout, ça n'a jamais marché. Bon. Donc, et ça produit l'effet inverse dans la mesure où ça nourrit effectivement les excités que Poutine essaye de contenir, qui disent qu'est-ce qu'on attend pour taper fort? Qu'est-ce qu'on attend? Parce que la question des lignes rouges, c'est une invention occidentale. Les lignes rouges de Poutine, ce ne sont pas les Russes qui les établissent, qui disent « ça, vous ne pourrez pas le franchir ». Comme les 3 jours sur Kiev. Alors ça, c'est ma préférée. L'idée de prendre Kiev en 3 jours, ça a été inventé par l'état-major américain. Mais bien sûr. Donc, là, en l'occurrence, et puis ça ne correspond pas à la conduite de la direction, je l'élargis, ce n'est pas que Poutine, hein, qui sont des gens, des animaux à sang-froid et rationnels. Donc, l'objectif, puisqu'on est sur la question des objectifs, à propos d'une opération qui est une opération qui a par pas mal de côtés des aspects brillants, c'est que cet objectif de déstabiliser la direction russe, moi personnellement, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop parce que c'est pas comme ça que ça va se passer. Ils sont déjà objectivement costauds. Mais pourquoi on n'y croit pas, c'est que cette fois-ci, ils n'ont pas utilisé de troupes de soi-disant russes retournées. C'est-à-dire que peut-être avant, c'était l'objectif en utilisant cette légion russe. Mais cette fois-ci, ce sont des troupes ukrainiennes qui attaquent. Donc, l'objectif est différent, c'est sûr que... Oui, mais il y a un risque, alors je reviens sur le risque, toujours, parce que bon, quand les Ukrainiens ont élaboré leur plan, quand ils ont pris leur décision, ils ont réfléchi aux différentes hypothèses. Il semble quand même qu'ils aient pris beaucoup de risques. C'est une première expulsion qui devrait en annoncer d'autres. Plus d'une centaine de réfugiés ukrainiens ont dû quitter le village de Kotch en Hongrie. Des personnes originaires de Transcarpathie, dont une majorité d'enfants. En cause, le tour de vis des autorités hongroises en matière d'asile, qui ont fourni gratuitement des hébergements d'urgence depuis 2 ans et demi. Mais depuis un décret paru en juin dernier, seuls les réfugiés venus d'une zone touchée par le conflit peuvent y prétendre. Plusieurs ONG estiment que ces nouvelles dispositions constituent une violation des traités internationaux en matière de droit d'asile. C'est notamment le cas du Haut Comité aux réfugiés qui somme Budapest de revenir sur ses positions et de fournir les logements nécessaires aux réfugiés. Nyilván aki tudott, az megoldotta magának bármilyen módon. Van aki hazament, van aki nem tudom
rokonokhoz, ismerősökhöz ment. Nyilván, aki ki tudja fizetni a bérleti díjat, az már elment korábban, és ezt megoldotta magának. Tehát azok az emberek, akik itt vannak, nekik tényleg nagyon sérülékenyek, nehéz helyzetben vannak. Ne, egyszerűen nincs pénzük arra, hogy kivegyenek egy albérletet. En attendant, à Kocs, les ONG tentent de trouver des logements provisoires pour les familles expulsées. Mais plusieurs milliers de réfugiés ukrainiens sont eux aussi visés par ce décret et pourraient bientôt se retrouver à la rue. En ce qui concerne de dégarnir le front, je ne suis pas sûr. C'est-à-dire que les Ukrainiens n'utilisent pas de brigade avec l'effectif complet depuis le début de la guerre. C'est-à-dire qu'on voit des bataillons de certaines brigades. Et donc, ce n'est pas nécessairement toute la brigade, la 80e brigade, qui est sur le front de course, mais ça serait un bataillon, peut-être deux. Et donc, les autres bataillons sont toujours dans le Donbass. Mais, donc, je pense que ce sont des bataillons, de ce que j'ai compris, parce que je parle des fois avec des gens qui combattent en Ukraine, et en fait, ils me disent qu'en fait, il y a une sorte de rotation. Il y a peut-être deux bataillons de chaque brigade sur le front, deux en arrière, et c'est là où on remplit pour le matériel, on remplace les pertes, on fait l'entraînement continu. Donc, c'est comme ça que ça marche. Et je pense qu'ils ont pris ces bataillons qui étaient en réserve. Ils en ont fait une sorte de Kampfgruppe à l'allemande. On a mélangé un peu les bataillons de toutes les brigades et on les a envoyés vers le nord. Donc, je ne pense pas qu'ils ont dégarni le front en tant que tel, surtout que beaucoup d'unités étaient supposées attaquer sur Kharkiv. Mais la question, c'est est-ce que ces troupes auraient été plus utiles ailleurs ? Je pense que c'est la question légitime. Je ne t'ai pas oublié, Hervé. Mais en gros, est-ce que ces troupes auraient pu être mieux utilisées pour défendre Pokrovsk, par exemple ? Voilà, je pense que la grande question, c'est ça. Est-ce que ça a dégarni le front ? Je ne pense pas. Est-ce qu'elles ont pu être mieux utilisées ailleurs ? Voilà la question. Le temps nous le dira. Le problème, c'est, on en revient à ce que tu as dit, est-ce que les Ukrainiens pensent qu'ils vont pouvoir conserver le Donbass? Très honnêtement, s'ils se mettent en défense ferme face à la puissance de feu russe, et notamment maintenant avec cette utilisation systématique des bombes guidées, qui permettent justement de détruire les bâtiments bétonnés sur lesquels les troupes ukrainiennes se retranchaient dans les villes. Et on le voit très bien, là, une des dernières villes qui a été abandonnée, ou village, il y a un grand bâtiment en béton. D'habitude, les Ukrainiens s'accrochaient sur ces bâtiments en béton. Ils ont préféré partir parce qu'ils savent très bien que s'ils s'accrochent, ils vont avoir une FAB 3000 qui va tomber dessus. Donc, je pense que d'une certaine manière, ils ont compris que face à la puissance de feu russe, la défense ferme, à un moment donné, ne tiendrait pas. Donc, c'est un coup stratégique qu'ils ont voulu faire sur l'offensive. Je risque de le mentionner dans une vidéo. C'est un coup stratégique. C'est vrai. Parce qu'on est sur la stratégie du fou au fort. C'est que, en fait, ils vont attaquer dans des endroits où rationnellement, les Russes ne se disent c'est pas possible, on va pas faire ça puisque ça correspond pas rationnellement à ce qu'ils veulent faire, à ce qu'ils ont annoncé et à leur volonté affichée de reconquérir leur territoire. La Chine a exprimé sa volonté de travailler avec la Russie en vue d'explorer la coopération dans les domaines émergents tout en consolidant la coopération traditionnelle. Le Premier ministre chinois Li Qiang a déclaré cela mercredi lors de ses entretiens avec le président russe Vladimir Poutine au Kremlin. Le Premier ministre Li a déclaré que la Chine maintiendrait également la forte dynamique de ses liens avec la Russie. Monsieur Li est à Moscou, il a co-présidé la 29e réunion des chefs de gouvernement chinois et russe avec le Premier ministre russe Mikhail Mishustin. Dans un communiqué commun, la Chine et la Russie ont convenu d'optimiser la structure commerciale, d'accroître le volume des échanges bilatéraux et de promouvoir le développement du commerce électronique. Le communiqué souligne que des efforts seront déployés pour étendre la coopération mutuellement bénéfique dans l'Arctique, renforcer la coopération dans le développement du transport maritime, la sécurité de la navigation, la technologie et la construction de navires polaires. Les deux parties ont réaffirmé qu'elles se considéraient mutuellement comme des partenaires de coopération prioritaires, souscrivant au respect mutuel, à l'égalité de traitement et à la coopération gagnant-gagnant. Et puis selon le renseignement américain, l'Iran
tenterait d'interférer dans cette campagne américaine avec des tentatives de piratage informatique contre le camp de Kamala Harris, mais également contre celui de Donald Trump, l'Iran qui réfute ses accusations, les précisions de Jules Lalanne-Larieux. C'est une faille difficile à reconnaître lorsque l'on brille la Maison-Blanche. Donald Trump a dû se résoudre à avouer publiquement le 10 août dernier que sa campagne présidentielle avait été victime d'un piratage informatique. Un dossier sur son colistier, J.D. Vance, a notamment fuité. Le milliardaire de 78 ans a reconnu que le FBI enquêtait actuellement sur une opération d'ingérence iranienne. Ils regardent ça et ils le font de manière très professionnelle. Il semble que ce soit l'Iran qui l'a fait, car ce ne sont pas mes amis. La raison est que j'ai été ferme contre l'Iran. Je protégeais les personnes au Moyen-Orient et peut-être que cela ne leur plaisait pas. Kamala Harris, la future candidate démocrate, n'a pas non plus été épargnée. Le 13 août dernier, elle avouait que ses équipes avaient aussi été victimes d'une attaque. L'Iran condamne ce qu'elle qualifie d'allégation infondée. La République islamique d'Iran ne possède ni l'intention ni les motifs pour interférer avec l'élection présidentielle américaine. Si le gouvernement américain croit véritablement dans le bien fondé de ces affirmations, il devrait nous fournir les preuves pertinentes. En 2016 déjà, la campagne présidentielle américaine avait été victime d'une ingérence étrangère. Au même moment où des emails démocrates avaient fuité, Donald Trump encourageait toute cyberattaque à l'encontre de Hillary Clinton. À l'époque, les renseignements américains en avaient conclu que Moscou, à l'origine de ces fuites, avait influencé le scrutin présidentiel. L'Amérique est prête pour la présidente Kamala Harris. Déclaration il y a quelques minutes de Barack Obama sur la scène de la Convention démocrate à Chicago. L'ex-président ovationné, tout comme son épouse Michelle avant lui. L'espoir est de retour, a estimé l'ancienne première dame devant les 50 000 militants survoltés. Aviva Fried, vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Chicago. Vous avez assisté cette nuit à ses prises de parole, mais aussi au vote qui désigne officiellement Kamala Harris comme candidate du parti. Je suis DJ Cassidy et voici le vote de la convention. Faites passer le micro dans toute la nation. Oui, vous l'entendez, hein, ambiance électrique pour ce vote. Une atmosphère de fête règne au centre de convention. Les délégués venus de tout le pays sont survoltés, certains en costume traditionnel. Ceux du Wisconsin et à laitier ont même un chapeau en forme de fromage. Pas de suspense, hein, pourtant, le vrai vote a déjà eu lieu virtuellement, mais l'enthousiasme est intact. Le cérémonial sert à légitimer Kamala Harris, faisant taire ceux qui criaient au coup d'État après l'abandon de Joe Biden. Un moment historique pour Paige Horace, venue d'Alabama. Cela représente beaucoup pour nous. Nous sommes le berceau du mouvement des droits civiques, alors de voir une femme noire décrocher cette opportunité, c'est énorme. Après le folklore, place aux choses sérieuses, à commencer par le discours très attendu jeudi de Kamala Harris, qui devrait préciser les orientations pour les 11 semaines de campagne restantes. Aviva Fried à Chicago pour Europe. Le président chinois Xi Jinping encourage les athlètes à contribuer davantage au développement sportif du pays. Il a délivré ce message lors de sa rencontre avec les athlètes de l'équipe de Chine qui ont participé aux Jeux de Paris, qui se sont terminés il y a plus d'une semaine. Monsieur Xi les a félicités pour leur performance exceptionnelle et a adressé ses salutations à toutes les personnes travaillant dans le secteur du sport. Il a déclaré que les résultats obtenus par l'équipe de Chine témoignaient des progrès du sport chinois. Il a ajouté que la puissance sportive de la Chine résidait dans la force globale du pays, qui a jeté des bases solides permettant aux athlètes de poursuivre leurs rêves. Xi Jinping a promis que la Chine redoublerait d'efforts pour développer les industries du sport et promouvoir l'alignement des programmes nationaux de fitness et de santé. Il a également salué l'esprit sportif des athlètes et les a encouragés à améliorer encore leur entraînement et leur compétition. Il a également exprimé l'espoir que les sports de compétition et les programmes de sport de masse se renforcent mutuellement. Je voulais qu'on ouvre cet octogone sur le fait que les BRICS ont aujourd'hui adopté leur système de paiement. Vous avez plus de 140 pays qui l'ont adopté. Comme vous savez que dans l'octogone, on parle de nouvelles économiques. C'est vraiment un game changer. D'ailleurs, l'or a tapé son plus haut historique. Donc là, je voulais ouvrir là-dessus. Nouveau système de paiement des BRICS. Plus de 140 pays qui l'utilisent déjà. L'or prend son plus haut historique parce que les BRICS veulent dédollariser. Vous savez, ça se fera lentement. Beaucoup de gens disent « oui, mais le dollar s'est pas encore effondré ». Attendez, déjà, ce serait pas une chose fantastique que le dollar s'effondre, vu les dommages collatéraux que ça provoquerait.
Mais au-delà de ça, c'est un processus lent. Enfin, je veux dire, une transition impériale, c'est pas quelque chose qui arrive immédiatement. Vous avez eu des grandes monnaies mondes par le passé, bien sûr, le peso espagnol, enfin la pièce de 8 en argent. Vous aviez la livre sterling, qui représentait donc une livre sterling en argent, 329 grammes, si ma mémoire est bonne. Et derrière, vous avez eu donc le dollar. Entre-temps, vous avez eu le franc, notamment en Afrique. Et donc, une transition vers une autre monnaie monde, éventuellement un panier de devises, ça va pas se faire tout seul. Mais je voulais ouvrir là-dessus en vous rappelant que c'est ce qu'avait voulu Dimitri Medvedev au sommet du G20 de l'Aquila en 2009. Il avait présenté une petite pièce d'or avec marqué unité dans la diversité et il voulait que ce soit un système de panier de devises basé sur les droits de tirage spéciaux du FMI pour faire un atterrissage en douceur face à la dédollarisation. Ça n'a pas été fait parce que les Américains ont vraiment insisté pour que l'économie ne soit jamais dédollarisée. Vous connaissez mon opinion, je pense que DSK a sauté essentiellement là-dessus et pas pour ces histoires de mœurs parce que ça fait très longtemps qu'on les connaissait et qu'ils n'avaient jamais été inquiétés pour autant, en particulier avec Tristan Bannon en France, où là c'était un vrai gros dossier par rapport, selon moi, à Nafissatou Diallo. Mais en tout cas, la dédollarisation n'a pas eu lieu. Et ce que DSK avait bien sûr prévenu, ce dont il avait prévenu les États-Unis, c'était que si jamais il n'y avait pas de dédollarisation en douceur, eh bien, il y aurait une dédollarisation dans la souffrance par rapport de force. Et c'est ce qui est en train de se passer, même si ça sera plus lent. J'insiste aussi sur le fait que l'Iran avait été déswifté et que ça lui avait fait beaucoup plus mal que la Russie. Par contre, la Russie avait été déswiftée en deux temps. Vous aviez eu d'abord la Crimée. La Crimée avait été sortie de Swift et ça n'avait pas, outre mesure, déstabilisé la Russie, mais ça les avait vaccinés. Et aujourd'hui, bah, la sortie de Swift de la Russie après l'invasion ukrainienne en 2022 leur avait fait ni chaud ni froid. L'Égypte se dit sceptique quant à la conclusion d'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, suite à la proposition annoncée par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken en début de semaine. Mercredi, le Hezbollah a tiré plus de 50 roquettes en direction du plateau du Golan, contrôlé par Israël, affirmant qu'il s'agissait de représailles à la frappe israélienne de mardi sur le Liban. L'attaque a eu lieu après la rencontre d'Anthony Blinken avec les principaux médiateurs égyptiens et qataris qui visaient à faire avancer l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Le temps presse, selon le secrétaire d'État américain, alors que les craintes d'une nouvelle escalade régionale augmentent. Un fonctionnaire égyptien proche des négociations affirme que le plan offre des promesses mais peu de garanties et qu'il était peu probable que le Hamas l'accepte. La première phase de la proposition prévoit une libération des otages retenus par le Hamas avant toute négociation sur les phases suivantes. Cela signifie que le groupe palestinien devrait libérer des otages civils en échange d'une pause dans les combats, sans garantie d'un cessez-le-feu permanent. La proposition ne précise pas non plus si elle obligera Israël à se retirer des deux corridors stratégiques de Gaza. Les médiateurs doivent se réunir jeudi et vendredi au Caire pour poursuivre les discussions sur la proposition avant de la soumettre officiellement au Hamas. La situation en Libye est de plus en plus préoccupante. Les tensions entre les acteurs politiques et militaires s'intensifient, poussant l'ONU à exprimer des préoccupations majeures mardi. Au cours des deux derniers mois, la situation en Libye s'est détériorée assez rapidement en termes de stabilité politique, économique et sécuritaire. Les actes unilatéraux des acteurs politiques, militaires et sécuritaires libyens ont accru les tensions, renforcé les divisions institutionnelles et politiques, ainsi que compliqué les efforts en vue d'une solution négociée. Pour le représentant libyen à l'ONU, rétablir l'unité est la seule issue. La seule solution possible pour la Libye implique de mettre fin aux divisions et de remédier à la précarité des institutions à travers des élections libres, transparentes et inclusives. L'ONU appelle à une action concertée pour éviter un retour au chaos en Libye. Le gouvernement chinois a annoncé ce mercredi avoir ouvert une enquête anti-subvention sur les produits laitiers importés de l'Union européenne. Les pays membres exportent environ 2 milliards d'euros de produits laitiers vers Pékin chaque année et les analystes estiment que la Chine pourrait jouer sur les tensions avec le secteur agricole. Il y a cette stratégie chinoise d'occuper un espace de l'économie européenne et d'utiliser
ce qui est perçu comme notre point fort des exportations, l'alimentation et l'agriculture. Mais il ne faut pas être dupe et il faut bien voir que c'est un bras de fer qui se joue et qu'il faut défendre de façon assez claire la politique agricole commune qui est un faux problème. Une mesure considérée comme une réponse aux tarifs douaniers imposés par l'Union européenne sur les véhicules électriques importés de Chine, car elle intervient le lendemain de la mise à jour par l'exécutif des valeurs qu'il entend appliquer dans quelques mois. Bruxelles est également en désaccord avec les subventions chinoises pour les éoliennes et les panneaux solaires. De son côté, Pékin a ouvert des enquêtes sur le porc, l'alcool, les produits chimiques et les appareils médicaux de l'Union européenne. Le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell, a admis qu'il était possible qu'une guerre commerciale avec la Chine soit inévitable lors d'une conférence en Espagne. Mais cet analyste estime qu'il est trop tôt pour le confirmer. I think for a real trade war to happen, you need some kind of a downward spiral where retaliatory measures of each side basically kind of get to a point where you get to a very large share of your total trade, which would be affected by measures. Right now, it's somewhat contained to certain sectors and certain industries, and I think it will depend on also on how much of these measures actually get into place eventually. Les analystes estiment que le véritable test viendra de l'issue des élections américaines, surtout si le candidat républicain Donald Trump retourne à la Maison Blanche. Et Beijing a critiqué les droits de douane supplémentaires de l'Union européenne sur les véhicules électriques chinois, les qualifiant de concurrence déloyale, et a promis des mesures pour défendre les intérêts des entreprises chinoises. Le ministère chinois du Commerce a fait ses remarques après que la Commission européenne a publié mardi un projet de plan visant à augmenter les droits d'importation des véhicules électriques chinois de 36,3%. Ce projet est soumis à l'approbation des États membres de l'UE. Beijing a également réagi à l'enquête anti-subvention de l'UE, estimant qu'elle n'était pas conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce. Cinq corps ont été retrouvés ce mercredi dans l'épave du Baie Xian, ce super yacht qui était amarré à moins d'un kilomètre des côtes et qui gît désormais par 50 mètres de fond au large de Porticello en Sicile. Les recherches se poursuivent pour les plongeurs qui tentent de retrouver une personne toujours portée disparue. 15 des 22 passagers avaient tout juste eu le temps de monter à bord d'un canot de sauvetage avant d'être secourus par un voilier qui se trouvait à proximité. Parmi ceux qui manquaient à l'appel se trouvaient le mania de la tech Mike Lynch et sa fille. L'homme avait emmené sa famille et sa garde rapprochée après avoir été acquitté lors d'un procès pour fraude aux États-Unis. De nombreuses questions restent en suspens. Comment un tel bateau a-t-il pu couler en un temps record? Un mastodonte de 56 mètres de long, doté d'une quille relevable et de dispositifs de sécurité. Selon la protection civile, une trombe d'eau pourrait être à l'origine du drame. Un premier corps avait été repêché ce lundi, celui du chef cuisinier qui officiait à bord. Dans les couloirs du service des urgences du CHU de Nantes, les patients s'accumulent avec parfois des conséquences dramatiques. En témoigne la découverte d'une infirmière alors qu'elle voulait déplacer un patient. Elle a bousculé un peu le brancard, des fois dans le couloir ça arrive, voilà. Et en fait elle s'est excusée, en fait la personne n'a pas bougé et puis finalement elle s'est aperçue que la personne était déjà morte, quoi. Des décès comme celui-ci, il y en aurait eu 4 en quelques semaines selon les syndicats de l'établissement. En cause selon eux, le délai d'attente trop long. Dans cet élevage d'Isère, certaines brebis sont mal en point. La faute à la fièvre catarrhale qui a fait son retour en France et se répand vite. Cette maladie virale contagieuse, aussi appelée maladie de la langue bleue, se transmet par des piqûres de moucherons et touche essentiellement les ruminants. Parmi les symptômes, de la fièvre, des troubles respiratoires, une salivation excessive ou encore une cyanose de la langue. Ça, c'est des bêtes qui sont atteintes. Voilà, elles ont maigri. Elles bavent. Elles enflent. C'est des bêtes qui ont plus de 42 fièvres, quoi. On est démunis, on regarde nos bêtes mourir, hein. Comme celle-là, je sais que si c'est pas aujourd'hui, ça sera demain. La maladie est connue des éleveurs et ne provoquait plus de symptômes depuis des années. Sauf qu'un des variants a muté et cette situation inquiète les éleveurs. On avait perdu l'habitude de vacciner, de se protéger contre ce virus, vu qu'il n'y avait pas de symptômes, pas de perte en élevage. La vaccination, c'est la solution, mais on arrive trop tard.
En fait, nous, on est dans le boom de l'épidémie. Et après, malheureusement, c'est vraiment une maladie contre laquelle on peut être assez désemparé une fois que c'est dans le cheptel, parce qu'on n'a plus qu'à faire des traitements pour traiter les symptômes. On ne peut pas traiter la maladie en elle-même, mais on peut essayer d'atténuer les symptômes et faire en sorte que les bêtes passent le cap. En dehors de l'Isère, d'autres départements français sont également touchés par cette maladie. Laurent Wauquiez aime la com et ça se retourne contre lui. Mardi, à Lyon, le groupe d'opposition socialiste de la région Auvergne-Rhône-Alpes a signalé auprès du parquet national financier une étude commandée par le président LR Laurent Wauquiez. Il s'agissait d'un sondage effectué pendant les élections régionales de 2021 sur l'image du président de région et la perception par les habitants de ses propos. Selon l'opposition socialiste, ce type d'étude commandée avec l'argent des contribuables revêt un intérêt politique personnel et non un intérêt public local. Un signalement qui tombe mal pour Laurent Wauquiez, alors que doit être publié à l'automne un rapport de la Chambre régionale des comptes sur les dépenses en matière de communication. Selon les fuites relayées par le journal local Lyon Mag, 21 sondages ont été commandés par la région entre 2018 et 2023 pour plus de 387 000 euros, avec des questions largement centrées sur la personnalité de Laurent Wauquiez. Sont aussi évoqués ses très chers repas, là encore aux frais des contribuables. À titre d'exemple, 5 100 euros pour un déjeuner de Laurent Wauquiez et l'un de ses conseillers avec un directeur des affaires publiques d'une entreprise du CAC 40 et 3 journalistes. Comme quoi, dans tous les bords politiques, on aime le homard. Alors, pour aider cette chaîne, partagez, likez, commentez, et puis peut-être, aidez-nous sur Tipeee.